chef de l'État gabonais avait exigé du commandement en chef des forces de police l'amélioration de la qualité des services de la documentation et de l'immigration. Il est visiblement satisfait du respect de ses instructions. Désormais, les procédures de la DGDI sont allégées. Ali Bongo Ondimba vient de faire le tour de ces compartiments. Les personnes qui viendront maintenant rechercher des documents passeront moins de temps, des équipements modernes, en même temps sécurisés. Cela montre bien les efforts et le progrès que nous avons pu constater. La DGDI se veut être une administration exemplaire et donc j'ai voulu moi-même m'assurer de cela. De même, il est désormais possible pour les touristes et hommes d'affaires d'obtenir un visa d'entrée au Gabon via Internet. C'est une grosse amélioration pour notre pays qui se veut être un pays à la pointe du développement et qui veut accueillir un certain nombre de personnalités, qu'elles viennent pour investir ici, qu'elles viennent en touriste. C'est tout cela dont je voulais m'assurer que ça fonctionnait très bien. Vous avez la démonstration vous-même devant vos yeux de la célérité avec laquelle on m'a remis mon nouveau passeport. Ali Bongo Ondimba dispose d'un nouveau passeport. Pour le premier des Gabonais, la preuve du traitement dans les meilleurs délais des dossiers des usagers est une réalité à la DGDI. Et dans la perspective de la CAN 2017, le visa électronique constitue à la fois un instrument de facilitation pour le voyageur et un des systèmes de sécurisation du territoire national grâce à une traçabilité renforcée.